qui pas suspend pichkanen l'esprit. D'abord comme citoyen haïtien, ensuite comme journaliste. Qui sa question ayé Jimmy Clitéagène? Est-ce que communauté internationale, pays qui dit yo ses amis Haïti yo, est-ce que yo gen volonté tout bon vrai pour aider nous sortir dans sa nié là aujourd'hui, m'a parlé de Haïti, pour aider nous résoudre crise pluridimensionnelle ça pays a connait depuis un bon bout de temps là, tout au moins pour aider nous résoudre problème insécurité a qui sont problèmes crucial et qui sont problèmes qui préoccupent tout haïtien à la ronde bade, quel que soit côté l'a évolué ici tant que l'autre bout de l'eau. C'est pas première fois moins poser question ça, c'est peut-être énième fois. Donc tout ça c'est pour me dire nous à quel niveau une question pareille préoccuper l'esprit. Moi certain tout li préoccuper l'esprit chaque grain monde qui attend de radio à matin là. Li préoccuper l'esprit chaque grain internaute qui suivre nous là matin. Moi pas vle retourner sur ensemble d'actes qui posaient déjà bon côté communauté internationale là, rencontre qui fait que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, annonce qui fait et la trier. Mais si nous regardons de 2021 à 2023, ça, tout au moins pendant ces deux dernières années, on va nous compte, quel que soit gros autobré dans l'échelle internationale, dans la communauté internationale, qui prend la parole sous dossier Haïti, que l'été Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, que l'été Madame Linda Thomas Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, que l'été Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, que l'été Brian Nichols, le secrétaire d'État adjoint pour les affaires de l'hémisphère occidental, que l'été Justin Trudeau du Canada, que l'été chef Binio, m'a parlé de l'ancienne chef là, Madame Lalim, et puis actuel chef là qui c'est Madame Maria Isabella Salvador, on va continuer bien citer non. Yo tout net, presque à l'unanimité, yo d'accord que notre dossier Haïti a une urgence. Urgence. Maintenant, l'anal cherche à comprendre, peut-être c'est égal, nous y est. Mais comme nos soucis, pour nous apprendre nous toujours à poser question, pour nous dire qui est urgence. Définition plus classique que nous avons dit urgence, c'est que ce n'est pas qui pas attendre Jimmy Clitéagène. Donc si nous devons croire, position, déclaration, chaque grand chef ça a l'autre pas cité, dossier Haïti a pas attendre. Ça veut dire quoi? Si vous avez des choses qui pour faire, faut qu'il fait au plus vite. Et ça veut dire. Mais si n'a regardé dernière évolution, si n'a regardé tournure bagay yo prend, nous dit ah semblé Jean communauté internationale la comprendre urgence là. C'est pas comme ça haïtien yo ou bien population haïtienne comprendre ni. Tout au moins communauté internationale la ouais urgence là en Jean. Nous autres en Haïti, nous avons urgence là, on l'autre gens. Tout le monde qui attendait la matin hein, et qui peut-être pas attendait nous la première fois, yo connaît nous position nous sur question déploiement de la force multinationale en Haïti. Nous pas voulu retourner sur ça pour ne pas rentrer dans démarche pour n'a répéter tête nous tout le temps. Mais nous toujours dit ça. Tout autant, nous pas accepter résoudre ensemble problème une fois pour toutes
même si c'est des problèmes structurels. Tout autant, nous pas essayer faire toute institution qui dans pays a joué rôle comme ça doit. L'en fin mettre au campé. Nous mettre faire force internationale rentrer dans pays chaque semaine, chaque mois, chaque année, à chaque fois au fin aller n'a toujours retombé dans même gâteau bombé. Ça c'est position pam. Cependant, dans ça n'y là comme réalité, dans ça n'y là comme conjoncture, Jimmy Clitéagen, nous te dit que si force là capable aider nos niveaux ou bien non l'autre, que force la vini. Par exemple, nous dit si force la capable aider route qui bloqué, on a parlé de route nationale yo, si le capable aider débloquer que force la vini demain matin, nous te dit si force la capable permettre libre circulation de pays que Jimmy Clitéagen ka sorti là à la plaine al Fontamara al Grissier al Keskov al Pernier sans trop grande difficulté ou bien sans moins de difficulté, que force la réunir demain matin. Si force la capable aider ensemble de monde qui courir quitter zone la caillou parce que bandi acheter zone dans l'argent comptant, nous te dit que force la réunir. Nous dit que si force la capable aider ensemble de monde qui fait toute vie ou a construit un petit caillou et jodi à la pas ka dormir là-dedans, ça gagne moyen toujours al payer caillou bien chez l'autre côté, ça pas gagne moyen du tout yo a coucher devant cabane moun a prendre humiliation ou bien a dormir dans la rue. Nous te dit si force la ka aider moun sa rejoindre domicile yo, que force la venir. Si force la ka permettre moun suspend mourir dans pays a, ka permettre kidnapping suspend fait pour moun a vivre sous stress pour a décapitaliser malheureux malheureuse. Nous te dit que force la venir. Si force la capable aider ou ensemble de business qui te fermé parce que nèg exam t'a mandé pour payer yo chaque semaine, chaque mois. Nous te dit que force la venir. Si force la ka permettre que policier suspend mourir de manière spectaculaire en babal bandi, nous t'a dit que force la venir. Mais maintenant, yon question qui généralement toujours paraît sous table, elle n'a pas parlé de force multinationale ça, c'est à quand le déploiement de cette force multinationale ou bien ça au durer les MSS là qui c'est mission multinationale de soutien à la sécurité. À quand le déploiement d'une telle force, Jimmy Clitéagen? Moi certain, l'ONU pas qu'à répondre à une question ce matin. Moi certain, le Kenya pas qu'à répondre à une question ce matin, qui lui-même a bien éventuellement pour diriger force ça. Moi certain, pays, nous avons expliqué qui dit aux ses amis, Haïti, que les États-Unis d'Amérique, le Canada, ils n'ont pas qu'à répondre à la question ce matin. Tout au moins, tout le monde a spéculé, voire pour moi-même, ou bien pour citoyen lambda, pour simple citoyen jodia, qui t'a remé qu'on allait mieux dans le pays sur le plan sécuritaire. À quand le déploiement? Pendant quelle période nous capables d'attendre nous que force multinationale ça pourrait le déployer dans le pays? Bah quoi que personne qui ait réponse à la question ça. Parce qu'on essaie de garder un bagage. Depuis le début du mois d'octobre, l'ONU fin bay feu vert li, OK, pour MMSS la déployer en dans pays. En guise de rappel, MMSS c'est mission multinationale de soutien à la sécurité. Mais regardez tout ça qui vient produit après, est-ce que yo pas rend en série de monde très sceptique ou bien une série de monde qui était incrédule vient renforcer position sur question force là? D'abord, Jimmy Clitéagen, son tribunal au Kenya qui suspend déploiement policier kenyan. Pas oublier, m'te dit ça déjà, Kenya joue un rôle fondamental dans cette mission ça, puisque c'est lui-même qui a responsabilité pour diriger mission multinationale ça. Tribunal kenyan, ça n'a pas rappelé, qui a été saisi par l'opposition kenyane, qui au même temps croit que tout déploiement d'officiers de police ou de policiers kenyan a en violation à règlement la CAIO, notamment constitution d'un pays Kenya. Pour eux-mêmes, Zak sa l'ap illégal, l'ap inconstitutionnel. Dans la fin semaine dernière, là, gagné le ministre de l'Intérieur au Kenya, n'a pas allé là de M. Kendiki,
qui lui-même t'est fait accompagner de l'inspecteur général en chef de la police kenyane. Donc ouais, c'est M. Jaffé Koumé. N'est-ce pas allé devant le Parlement, vous avez essayé non seulement pour porter quelques précisions autour du déploiement éventuel policier kenyan, mais tu as essayé by certaines garanties. Par exemple, je te dis policier qui a bien pour déployer dans le cadre MMSS là, c'est des policiers que yo bien choisi, yo bien recruté, et c'est des policiers qui compétents, qui qualifiés, qui sont dans différentes unités d'élite au Kenya. Yo passé tout test, yo pas de problème mental, yo pas malade et la trier, yo des capacités psychiques et physiques. OK, pour faire partie d'une telle mission. Mais on est fondamental. Monsieur, tu es accentué sous lui. C'est le côté financier. Par exemple, Monsieur Claire, m'a parlé là de qui tuerait, me quoi, c'est Kendi qui, Jaffé Koumé, respectivement ministre intérieur kenyan et puis inspecteur général en chef de la police kenyane. Je dis pas qu'un policier kenyan cap déplacé là sans pas un good goodbye. Et encore mieux, on a parlé de près de 230 millions de dollars US et plus. Ça veut dire pour yo arranger yo, acheter équipement, comprendre acheter matériel et la trier. Et yo même te parlé d'une question d'une enveloppe de 600 millions de dollars vet pour le coût global sur la période d'un an. Donc, Kenya clair, pas de policier qui a sorti Kenya pour venir en Haïti, ça ne va pas garantir que comme ça le déguise. Donc, c'est une question de l'argent avant tout. Et comme ça, yo, côté a sorti, madame, monsieur, selon ça, l'ONU te dit dans début octobre, là, ce sont les États membres de l'organisation internationale qui prennent le gagnant hein, dans le cadre d'un fonds, si vous voulez, pour contribuer, pour bailler participation, pour financer. Mission. N'a pas songé, les États-Unis, les mêmes, t'ont annoncé que, eux-mêmes, de concert avec le Congrès, ils entendent mobiliser pas moins de 100 millions de dollars américains dans le cadre mission multinationale de soutien à la sécurité. Ça. Mais, avec qui sont l'agence à vous parler, Jimmy Clee, t'es jeune. Comme vous êtes jeune, moi, je veux comprendre un bagage dans la dynamique blanche. Mais pour comprendre, m'a juste beau phrase ça en créole. C'est pas tout moun ouais k'ap edo qui a edo sans arrière-pensée. C'est pas tout moun k'ap edo sans aucun intérêt. Donc moun nan juste dit l'ap aide Jimmy Clee agent souti dans salier a parce que il gen bon cœur. Dynamique blanc pile fois pas comme ça. Et en pile programme, en pile aide yo bay pays pauvre prouver ça. Les nègres là par exemple dit l'a soutenir l'a financer un programme pour à hauteur de 10 goud pas étonné aussi dans 10 goud ça 8 goud retourner à jeune ni par contre sou comprendre non régional par contre sou comprendre Jimmy Clee agent pas étonné ou nèg adou par exemple nous même nous prêt n'a soutenir à hauteur de 10 000 goud mais dans 10 000 goud ça ou ca saisir ouais c'est 1000 goud c'est 2000 goud ou bénéficier ou même yo dit avait déjà. Le reste 8000 goud là yo fait le sous tête. Donc gen moun wè ka pote boué. Qui dit y a edo soti nan misère. Qui dit y a edo résoudre ensemble de problèmes ou même de manière naïve ou collaborer bien ou pa konn nan ki niveau et de moun sa enrichi tête yo non. On ta ka prendre l'autre exemple, m'pa vle froisser quelque moun matin. Par exemple, gen des ti moun otande yo di y a ceci y a fait cela, gen des populations tande y a aidé. Tant que cité soleil wè là. N'a point côté qui très convoité comme ça par les ONG mais ça pas empêché plusieurs millions passer cité soleil mais cité soleil toujours représenter ça le représenter dans pays mais est-ce côté qu'on a des monde qui pas ta rien mais cité soleil changer parce que cité soleil sont véritable vache à lait pour cité soleil là d'après l'autre exemple tout l'autre audio débloquer tant millions pour soutenir un programme dans cité soleil mais une quantité monde qui pas forcément haïtien qui bénéficie de comme ça qui est riche bonne retourner côté de donc dynamique blanc là on a la chaud
pour les aider comme ça, pour les avancer, que ce soit mon autant de qui dit y a voyé soldat, y a voyé ceci, y a voyé cela. Donc faut qu'on méfie ou c'est pas yo tout. Par contre, vous comprenez où est qui rentre dans démarche ça qui voulait bail un coup de main tout bon vrai et gon question avantage avec l'argent dans bagarre là. Et je dis à n'a commandé fond ça qui pour financer MMS là, combien état qui vient en contribuer, combien qui est en bas là, mais certain si on t'a un rapport, on pas besoin en pile. Bon, comme moi même bagarre information, m'pas vle voyer monter. Est-ce que les États-Unis baillent 100 millions par là déjà? Est-ce que l'autre état membre est en contribuer? Si oui, à qui hauteur et la trier? Mais ça ne connaît nous gagne plus d'une dizaine de pays qui annoncé que y a voyer soldats que ce soit en Afrique ou bien dans région caribéenne là. Mais réticence état ça yo. Ça va pétonner. L'idée parce que tout simplement état ça yo rend compte que c'est pas au pour gérer l'argent. Il a fini bailler l'argent passé et on même pas trop bénéfice pour là-dedans mais bon garantie c'est que t'a gérer. Yo t'a courir bailler, elle t'a retourner venir jeune encore. Mais comment vous comprenez? Donc pour question force multinationale ça ou bien pour question mission multinationale de soutien à la sécurité ça, Haïti doit attendre la décision du tribunal kenyan. Haïti doit attendre le vote du parlement kenyan. Haïti doit attendre l'argent que état membre pral décaisser pour contribuer pour financer force ça. Haïti doit attendre que Kenya ou bien Kenya pardon, li gagne environ 230 millions de dollars américains et plus dans mel pour commencer par déployer ses officiers de police. Mais attention, même le COB Saouta, toute étape Saouta franchi, Jimmy Clité à Gênes, ont temps de mise en place. Parce que, yo pap en fin fait tout ça, et puis force la débat un bon matin là. Donc, mise en place, ça veut dire qui ça. Gon côté, faut que yo éparpillé, faut que yo héberger, gon condition pour yo habiter, vous comprenez? Et puis, faut faire connaissance avec milieu, ya, etc. Ou pas quatre bagay qui pour faire. Donc, dans l'intervalle, tant, pas compétent nous. N'a pas avancé. Donc s'il te jodi l'ap demain, s'il te vin demain, l'ap après demain, l'ap vin l'autre mois, l'ap vin l'autre année. Mais qu'on y a pour combien de temps nous autres haïtiens n'ap katan encore? Parce que l'insécurité n'a pas lié à là, li pas sous pause. Donc les bandits ne chôment pas. Si bien que pendant semaine za ou là, kidnapping continue à faire. Si bien que policiers continuent à mourir, bandits continuent à envahir une série de zones. Route nationale est toujours bloquée. Maintenant, plus n'a force la vie, nous sommes capables de dire tout, c'est plus tout j'ai pral fixé sur la police nationale d'Haïti, la PNH. Plus n'a force la et que force la se faire quoi attendre ou bien se faire attendre tout simplement, c'est plus tout pression absous la police. On la police, Nations Unies dit à travers son comité d'experts qui a toute qualité de problèmes nous connaît. Problème de formation, problème d'équipement, problème de matériel, problème d'effectifs, problème de corruption à l'interne et la trier. Maintenant, est-ce que la police lui-même l'y parait pour lui faire face avec situation ça? Parce que si force d'aller même lui prend 6 mois, lui prend 12 mois, li prend 1 an et demi. Ou d'accord, la police pas pral croiser bras et puis li juste livrer zone yo bay bandi, mon gens pouvoir d'accord et li vont série de territoire bay bandi exam. Donc faut la police a les mêmes capacités soit pour le bataille avec gang yo, soit pour le contrecarrer gang yo ou bientôt pour mener des opérations ou bientôt faire des préventions souvelé pour empêcher que de l'autre zone qui allonge liste territoire perdu. Maintenant, est-ce que la police a une capacité ça à l'intervalle? Pendant semaine qui s'est passé là, gros information qui font gros bruit. Qui allié le nouvel ambassadeur du Canada en Haïti, c'est monsieur André François Giroux qui était visité journal Le Nouvelliste mardi dernier. Il était rencontré avec PDG journal là avec monsieur responsable dans la rédaction. Plusieurs sujets et à l'ordre du jour, c'est un article qui écrit sous visite là. Et yon là d'ailleurs,
c'est appui Canada à la police nationale d'Haïti. Nous songez ancien ambassadeur, quoi c'est Sébastien Carrière, t'a annoncé que quoi là nous sommes en fin mars 2023 que le Canada disposait d'une enveloppe de 100 millions de dollars américains. OK, en appui à la police nationale d'Haïti. Elle te bay garantie que l'agent ça a commencé décaisser même d'ici l'année 2023, année ça même. Eh bien, pendant visite li dans journal Le Nouvelliste, poser la question sur l'agent ça, eh bien l'ambassadeur du Canada en Haïti l'actuel, monsieur André François Junior, pas Junior Giroux pardon, monsieur a expliqué que dans COB ça Jimmy Clitéagène, t'as bien oui. Dans COB ça Jimmy Clitéagène gagnait 42,5 millions de dollars vêtements qui dépensaient déjà. C'est-à-dire qu'il annonce l'an fait, oui. Annonce l'an fait dans fin premier trimestre année. Donc, on dit par exemple, entre l'annonce l'an fait, la soit fin mars 2023, et je dis à nous, novembre, donc en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait pratiquement 9 mois. Donc, sous 9 mois, ça a encore les propos de l'ambassadeur du Canada en Haïti, M. André François Giroux, gain 42,5 millions de dollars américains. Le Canada est en dépensé pour la police nationale d'Haïti. Haïti, il n'y a pas de là. Article là disponible. Al sous Le Nouvelliste. Après, l'information ça a suscité un paquet de débats. Moi, ouais, syndicat national policier haïtien au Sinapoua qui te réagi. Ouais, coordonnateur qui te font croisade dans la presse. Pour dire que le tarin mais il y a des explications qui baillent sous comment sous qui gens 42,5 millions de dollars américains ça les mêmes les à la paye qu'a manger l'argent papa mais attention hein attention hein ambassadeur a été clair mandel comment dans qui ça l'argent a dépensé il dit il a dépensé 42,5 millions de dollars américains ça non infrastructure dans la police nationale d'Haïti. Chaque infrastructure même. Bon, sûrement, et fait commissariat, fait antenne. Oh, fait... oh. Et bien, gars. Adina Nefma. Et moi, je parle. Combien commissariat vous faites là? Ah, bon, ça c'est au commandement avec Canada Kadzo. Deuxième bagaille, il dit que. Il a dépensé comme ça, non? Équiper la police là, acheter matériel. T'as quoi qui ça là? Oh, on n'est pas occupé de motocyclette là, pas où? La fresque des bagailles. C'est pas occupé. Il dit qu'on ça que. Yo fait la formation. Oh, hélicoptère moi et OK baili. Ah, ouais, hélicoptère. Oh, non, gros nouvelle là, la vous ça hélicoptère. Non, pas et va oui, il va gagner. On gros nouvelle là, il va gagner. Bon, m'pa connais ces journalistes ou. Non même. Agay. C'est wo. Yay, va casser. Ouais, mon ça man. Ça moi mon paquet, m'pa connais pour ça pour mon non même. Non mais il faut demander si on a deux hélicoptères achetés là. En tout cas, il y a une formation à bas. C'est une formation à bas. Il dit qu'on ça que il a dépensé comme ça dans former les policiers. Bon, ça va pas brûler, non? On comprend? Ça va pas brûler. Les bons sont dollars, ça va pas brûler. Il y a des bagailles qui dit en guise de réaction à intervention et, ou bien à déclaration ambassadeur Giroux. Dans la réunion, dans la rencontre qui a été gagnée avec nos confrères aînés du journal Le Nouvelliste, moi-même, je pensais qu'il y a toute sensation. Peut-être qu'on est capable de dire c'est des réactions au premier degré, ou bien à chaud, si vous voulez, mais on a toute sensation. Par exemple, je dis, nous tous connaissons qui est le problème la police là, ou bien qui est le problème la police. Y. Et le comité d'experts des Nations Unies saute fait radiographie PNH là pour nous. Et lui expliquer son PNH qui a corruption à l'interne, son PNH qui n'a pas un pile policier qui a un problème effectif, son PNH qui a un problème matériel, son PNH qui a un problème formation, son PNH qui a un problème 10, problème date et la trier. Donc on est au contraire, nous très contents si il y a de l'argent comme ça qui dépense dans le PNH pour résoudre ensemble de problèmes. Mais il y a des gens qui dit que, à notre sens, on sait que des problèmes qu'on a résoudre
avec un montant comme ça, même si nous pas espérer que une police qui transforme, mais au moins les résultats devraient être visibles. Au minimum. Par exemple, moi, ouais, Lionel Lazare du Sinapora, qui expliquait jusqu'à présent, gagne de côté d'un pays, pas de policiers. Par exemple, aux zones de Coupo Mago, et qu'on citoyen, l'autre bois qui dit qu'on a fait des démarches pour côté un gros auto-brand, la police là qui dit qu'on a pas d'effectif. Gagne des commissariats, côté policier ou abdomi, c'est comme si côté bête abdomi. Problème d'octroi et pas de cabane, pas de l'eau, bien toilette dans un mauvais état, blackout et la trier. Matériel là, n'en parlons pas. Bon, c'est vrai que tu as un effort à hauteur de plus de 18 millions de dollars américains là, il y a des blindés commandés, etc. Mais ça n'a pas suffi okay, pour bataille contre bandits qui a des armes, qui a des munitions en quantité. Donc, si il y a de l'argent comme ça qui dépense dans la police là, à notre puissance guerrière, c'est à douer de bonne guerre. Oui, vous allez encourager ça, mais attention. Mais c'est 42,5 millions de dollars américains dépensés. Pays à population en droit. Pour demander comment le dépenser. Maintenant, la compréhension, nous, et c'est peut-être ça, analyse pas, non? La blonde où il dépense son argent, guerrier du seul, gagne 3-4 figures possibles. Quand plus, moi-même, moi, au moins, souligner 3-4 figures possibles. Et, premier 4 figures là, blanc, il doit prendre un cobla, guerrier du seul, il baille l'état, ou bien le transférer, le baron est sous le trésor public là, ou bien le baille. Et ministère finance li, etc. L'agence là peut-être dans le budget ministère de la justice de la sécurité publique puisque nous connaît la police dépend de ministère ça et puis les la police ou bien les DG a les mêmes qui des bail besoin faire yo capable faire réquisition hein, mais pas garder le dépenser non regardez pas essayer garder regardez pas essayer garder il fait réquisition il veut aller soit ministre de tutelle Liwel etc. La jeune ministre finance là ministre finance lui même dit que c'est l'argent. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, guerrier du seul. Par contre, si vous avez un compte à l'interne, bon, peut-être que ça, ce n'est pas le domaine PAM. Les gens qui ont une question d'administration ou une comptabilité de la police, une comptabilité de la police, capable de souligner ça pour moi. Si vous avez un compte à l'interne, pour des programmes bien spéciaux, vous êtes capable d'avoir l'argent et que vous avez même. Bon, même là encore, je vais vous décaisser si vous avez besoin du ministère de la Finance. Bon, ça n'est pas le domaine PAM, pas votre la dedans. Troisième cas, il est plus intéressé. Blanguin doit Kembe. L'argent. Et puis chaque salle fait pour vous, il retire la donne. Il dit qu'on sait que c'est dans l'argent ça. Je vais vous donner un exemple qui est simple. Le Canada, les États-Unis, ils sont très impliqués dans la police. Ils sont très impliqués dans la formation de la police. Ils sont très impliqués dans l'ensemble de choses qu'ils ont fait dans la police. Nous avons décidé de dire qu'on sait que il y a 100 agents qui prennent formation aux États-Unis d'Amérique, par exemple. Rien pas sous compte. Sauter dans un visa, tomber dans l'hébergement, passer dans. Frais yo ba yo eh bien pays a gen droit d'user dans l'agence ça guerrier de seul oui comme la sortie oui la direction générale de la police nationale d'Haïti qui ne va même impliquer ni de près ni de loin dans bagaille comme ça et puis ils dit comme ça que dans rapport mais comment comme la te dépenser et c'est dans 42 millions de dollars ça que dépenser tant et laisse à libre montant exact c'est millions hein, maintenant libre montant vle selon lui même c'est selon ça vle yo gen droit font réunion la guerrier de seul yo font réunion là avec des hauts gradients de la police là. Si c'est eux-mêmes qui gèrent l'espace, par exemple, qui payent l'hôtel là. Ouais. Si c'est eux-mêmes qui baillent de l'eau pour boire. Si c'est eux-mêmes qui baillent manger. Ils doivent expliquer aux autres aïna et dans l'agence. Ils viennent avec des experts, des consultants. Voilà. Bon, comment c'est compris derrière? Si ils viennent avec des consultants, des experts qui pouvaient chiter à LB là, par exemple. Vous comprenez? Ou bientôt qui pourraient rencontrer une série de l'autre de la police là. Mais ils disent par exemple, pour héberger experts ça yo. Pour yon paye yon, pour yon nan paye yon, pour yon ba yon frais, etc. Perdièm, c'est dans l'agence ave. Donc, pas yon tonneau si 42,5 millions dépensé comme ça tout. Bon, si vous comprenez, en nature comme en espèce. Si yon décide yon faut qu'on 10 machines là par exemple, on 5 motocyclettes. Marron, si vous comprenez, guerrier de zèle, yon va décider yon tonneau ça, c'est. Dans l'agence, elle dépense tout. Ok. Donc, yon doit kembe l'argent yon, et puis yon font série de bagay pour vous. Chaque fois, mettons mon temps sous lit, et puis on dit qu'on s'est dans l'argent, ça va te promettre. Par contre, vous comprenez. Mais encore une fois, c'est pas qu'on aime qu'on est, non? C'est ici, ma vie, c'est garder dynamique blanc. Parce qu'en pile fois, blanc, on débloque l'argent pour faire un projet, même blanc, ça va expel vient manger l'argent dans mon envoi. Ok. Oui.
Donc que ce soit nèg k'ap vin antre là pour formation. D'ailleurs, depuis le formation coûte temps, on pas rien vous dit. Très pas. Pas vous comprendre. Donc 42.5 millions de dollars américains ça, pas rien que c'est pas comme ça le passé. Le Canada jusqu'à un bécobli et puis chaque fois ils font activité que soit au niveau académique hein, ou bien direction générale de la police ou bien dans hôtel dans Pétionville et puis autour étirer facture là-dedans ils disent c'est payé le matin l'hôtel même si pas la dégoûter 10 gouttes ils coûter 100 000 gouttes on va rien vous dire bah vous comprenez mais en guise de conclusion guerrier de seul n'a pas songé le 27 octobre dernier est-ce que ma date la claire France LB le directeur général de la police nationale d'Haïti. Monsieur t'a expliqué que guerrier du seul pendant n'a parlé toute cause ça yo pendant n'a dit tout ça n'a dit là la police est désormais prête à démanteler les gangs armés. Il y a des bagarres comme ça me dit. Oui. Comme si après dépense ça. Bon, par contre qui rapport en octobre. Moi que ça passé là. Déjà a dit comme ça la PNH est maintenant prête pour le démantèlement des gangs. La moitié là. Est-ce que c'est peut-être après 42.5 millions de dollars ça fin dépensé parce que n'a pas changé. C'est ce même DG ou bien ce même France LB dans conférence précédente qui t'a expliqué que la police là pas paré pour faire face à un ensemble de problèmes jodia que nous gagnons. Eh bien dans colonne journal le Nouvelliste il y a archive un article qui te paraît qui te titre comme ça. La PNH est maintenant prête pour le démantèlement des gangs. Vous avez le français? Vous avez dit que vous avez dit que vous retiré. Qui ça le directeur a dit? Le directeur a dit comme ça que, avec un ton ferme, madame, monsieur, que PNH là, est prêt pour qu'il est là pour démanteler les gangs. Vous avez cité? Nous gain plaisir jodi a pour nous déclarer. Nous pral passer dans l'autre étape plan que élaboré qui est pour redressement situation sécuritaire pays a. Étape démantèlement. C'est ça. France LB t'a déclaré haut et fort vendredi 27 octobre 2023 dans moment en cérémonie officielle côté t'a pour mettre au lot matériel roulant à PNH là qui te gain la donne 20 véhicules de patrouille, 250 motocyclettes tout-terrain à la PNH. Dans le moment ça, nous gagnons des centaines de policiers en formation. C'est ça, directeur général police a été révélé pour l'expliquer niveau préparation la police là pour affronter et démanteler gang yo. Je dis à n'a construit une force de police robuste avec de grandes capacités logistiques, des policiers bien formés en la circonstance pour capable répondre aux défis sécuritaires toujours d'après commandant en chef la police là. Et d'après France LB, PNH est en plein processus de transformation pour capable répondre aux grands défis sécuritaires de l'heure. Et transformation ça, il y a accès sous dotation équipement, formation continue pour unité spécialisée, respect droit monde et la trier. L'amdapli on extrait un article qui est sorti dans le journal Le Nouvelliste en bas coup de plume journaliste Jean Junior Célestin. Donc, quand il y a là, on va poser des questions. Est-ce que l'argent Canada dit le dépenser dans infrastructure, dans équiper la police là, dans former policiers et la trier de fin mars 2023 à jeudi qui c'est 13 novembre 2023, il y a un rapport avec eh bien déclaration France LB 27 octobre dernier pour dire que policiers yo pari ou bien la police pari pour démettre les gangs yo, non pas connait. Mais ça c'était pour une bonne nouvelle, c'en est une parce que j'ai dit tout à l'heure. Dans l'intervalle, n'attend les force là ou bien force là pour venir, mais la police elle même doit agir, doit réagir. Maintenant, est-ce que la police a la capacité opérationnelle pour faire face à ça là comme réalité qui je dis a forme chaque jour plus? Ça c'est grande interrogation pour moi, mais pour France LB, c'est réglé parce qu'il dit désormais la police nationale d'Haïti eh bien est prête, souvelée, pour capable démanteler gangs.